Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Aujourd'hui, table à dessin. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que sur les dernières semaines, j'essaye de faire en sorte de dessiner beaucoup plus. Je me suis installé un petit plateau avec des pieds pour me faire une espèce de micro table à dessin. Et j'ai très vite vu les limitations. C'est très bien d'avoir une table qui est consacrée uniquement au dessin, mais j'ai besoin de place, j'ai besoin de beaucoup plus de place. Je suis allé un peu traîner sur le bon coin et je me suis aperçu qu'il y avait des tables à dessin qui étaient relativement accessibles au niveau prix. Et j'ai trouvé celle-là, une table à dessin pour architecte unique, qui date à mon avis des années 80-90, et que j'ai pu récupérer pour 50 balles. Là, comme vous le voyez, j'essaye d'assembler le plateau et le pied. C'est relativement difficile, le plateau doit peser au bas mot 15-20 kg, et le porter à bout de bras, à hauteur des éléments pour le visser sur le pied, c'est juste complètement impossible. Donc je change de stratégie, je décide de poser le plateau par terre, et d'aller mettre le pied en position pour pouvoir mettre les deux vis et les écrous. Et ensuite de pouvoir éventuellement relever le pied pour remettre tous les autres éléments. Vous allez me dire, pourquoi une table à dessin ? Je pense et je suis persuadé que le dessin, c'est un des outils qui est particulièrement indispensable quand vous voulez communiquer justement qu'est-ce que vous voulez faire. Et avoir une certaine maîtrise du dessin, peu importe quel type de dessin technique, dessin blablabla, c'est aussi important que de savoir utiliser une scie circulaire sur table ou d'autres éléments. Donc j'ai décidé d'investir un tout petit peu, 50 balles plus 10 balles de frais de livraison, et de monter justement cette table à dessin. Cette table à dessin, elle va me servir à moi, elle va servir à ma fille, et je pense que ça va être super sympa. L'objectif est justement d'avoir un lieu dédié, avec des outils relativement corrects, pour pouvoir passer au moins une heure par jour sur la table à dessin, et pouvoir travailler ce nouveau skill, qui est justement le dessin. Ça me permettra aussi peut-être d'avoir un espèce de standing desk. Et à ce prix-là, franchement, c'est plutôt sympa. Voilà, le montage est fini. J'ai sué un petit peu, mais j'ai réussi. Et voilà, ma nouvelle table à dessin, toute jolie, toute belle. Et ben, merci à vous de regarder cette vidéo. À très bientôt, et que la barbitude soit avec vous.